Un nouveau trailer est sorti ce matin sur le nouveau film Dragon Ball Super Super Héros. On va réagir en non-live, comme m'a dit le pirate. On va réagir en non-live juste après le planning au final. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, Yara le pirate, comme d'habitude, avec moi. Donc. Salut Poto, comment vas-tu? Salut. Écoute, ça va super bien, je sors du coiffeur, regarde. Je suis tout beau, tout propre. Beau gosse. J'ai la vague, comme dirait Clem. Dans la vague, parfait pour aller surfer. Oui. Il veut surfer sur ma vague. Donc, ce matin, voilà, parti faire la fête des mères, moi, avec la petite. Et ils sortent un c'est trailer. C'est la fête des mères aujourd'hui? Non, c'est dimanche. C'est dimanche. Ah, par contre. Attends. Putain, le mec n'a pas de mère. Le mec ne sait pas. Donc on a préparé, puis ils ont sorti un petit teaser supplémentaire avec des petites images assez sympathiques. Donc on s'est dit tiens, hop, on va réagir dessus et il y a des petits trucs à dire, des petits trucs sympas. Ouais, après. C'est toi qui m'as dit que le trailer est sorti, j'étais occupé ce matin et honnêtement, on va pas se mentir, mais la communication, on a dit depuis le début, c'est de la merde, mais limite ce trailer là, ils auraient dû le mettre en premier, dans le sens que il est moins vendeur que les précédents en fait. Non mais c'est vrai, tu sais les précédents, il y avait un petit truc en plus, là c'est le même, mais en coupé en fait. Il y a juste une phrase ou deux qui te rajoutent, qui te font comprendre deux, trois trucs. Mais c'est vrai que la communication sur ce film me laisse pantois. Ah, oh, j'ai quand même apprécié. Moi, je trouve qu'il monte un petit peu la sauce. Il y a des petites images que j'ai appréciées et qui me font un peu. Qui me donnent un petit peu plus envie d'aller le voir. Ouais, on moi, va pas... c'est les deux phrases. Les deux phrases, justement, en anglais que j'ai traduit de mon anglais à moi. ça me fait poser des questions en fait. C'est ça que j'ai bien aimé. Ok, bon, on va partir, on va regarder la petite vidéo. Hop, on change et on regarde ça. Plus le temps passe, plus j'apprécie les gamins. Je trouve qu'ils ont un style. Ouais, je pense à mes habitudes aussi. Là, j'ai commandé quelques petites cartes avec eux. Ah, c'est ces moments-là moi, qui m'intéressent, là, que j'aime bien. Ouais, non, c'est vrai. Donc, on a vu la globalité. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail. Il y a des petits points, moi, qui m'avaient bien plu. On va y aller, on va faire de l'image par image. Alors, le japonais, moi, je peux pas se oublier. Donc, le petit Goku. J'ai vu une espèce de traduction, c'est pour ça qu'il y a eu une traduction vite fait, mais ça se trouve c'est pas bon, hein, mais. Ouais, vas-y. Le petit Goku bon, qui vient faire le kick hein, qui va bien. C'est plein de petites images hein, par contre, c'est assez rapide, assez furtif. Hein. Donc, ils sont malins là. La communauté vont tout décortiquer, vont trouver des trucs en plus. Voilà. Alors, ils vont trouver tout, il y aura la théorie. Complète du film. Voilà. donc pas mal d'images qu'on a déjà vues quand même. Ça on a vu. Voilà. Effectivement ça on l'a vu. Goku qui va Gohan qui va s'énerver, on l'a vu aussi. Les gamas. Là on a vu. Vegeta. Là j'ai. Moi je trouve Vegeta niveau visage, il faut vraiment s'y faire quoi. C'est nouveau quoi pour moi. Ouais. Mais c'est mieux que Dragon Ball Super à mon sens. Bah, il y avait certains trucs dans Dragon Ball Super où c'était pas, enfin, où c'était un peu pas top. Là, je trouve que voilà, on Vegeta, voit. Vegeta dans Super, limite, il était sous cortisol, il était tout gonflé, c'était pas possible. Il a été maltraité, hein. Il a été très très maltraité. Ouais, les hématomes. Johnny Depp est passé par là. C'est la paternité qui arrivait. du coup, ouais, il y a Vegeta là qu'on a pu voir. Ça me dit rien de l'avoir vu avant, celui-là. Plutôt sympa.
Il me semble pas, effectivement. Peut-être qu'on se trompe. Hein. C'est pas dramatique. Non, non, non. Mais plutôt sympa. Là, ce Piccolo-là, on a dû le voir, il me semble. Ça, c'est quand il devait être en haut de la tour, là, qu'il commençait à se faire attaquer par le Ganma, là, tu sais. Un pauvre bleu. C'est plus de poussière, ça, je pense. Ouais. Ah oui, effectivement. Donc, petit visuel sympathique. Là, la petite panne. Qui a éclaté tout le monde derrière. Hein. Ouais, on peut voir qu'elle a éclaté du monde juste derrière. Il y a une petite référence position de Rikum quand il se prend la patate de Goku, le cul en l'air. Là, cul en l'air, oui. Là, la petite panne, franchement, je la trouve hyper choupie. Et je pense qu'elle va, elle va déboîter. Hein. Je sais pas pourquoi, je sens que elle va vraiment marave du monde, quoi. C'est ça. En fait, je pense que toi, les petits soldats, elle va tous les défoncer, puis bon, elle va se taper un Ganma, et puis voilà, ça sera bloqué, quoi. Bah, je pense que si Gamma un ou deux, je sais plus, se frite avec Gohan, elle fait pas le poids, clairement. Ouais. Après, l'idée, j'espère qu'ils vont faire ça. L'idée, c'est que, tu sais, quand ils sont gosses, les Saiyans, ils sont complètement incontrôlables, tu vois. Gohan petit, quand il éclate Raditz, tout ça. Donc, ça se trouve, on va avoir un moment comme ça. Touche pas à mon père, tu sais. Gohan, il va se faire éclater, et puis ta panne, elle va rentrer dans le lard d'un Ganma, et il va pas comprendre ce qui lui arrive. Bah ah, c'est possible, hein, c'est possible, ça serait sympa. Ça serait bien. Ouais, j'aime bien. Et puis le design de Pan là, mais franchement, je le trouve super bien. Je le trouve très réussi. Avec les yeux migatés. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, là, bien vénère et tout, là. Très sympa. Elle est choupie. Alors, hop, on a quoi d'autre? Bon, bah celle-là, on l'a déjà vu. Sponsorisé par Docteur Who. Le second là, bon bah on l'a déjà vu, revu et corrigé celui-là. On sera même plus surpris dans le film. Par contre, toi, la suite là. Ouais. Là, ça, toi. Là, toi, la belle aura qui remonte en hauteur. Et bah, puis... ça, c'est l'aura, tu sais, ils l'ont fait. Il y a eu exactement cette même aura qui montait super haut quand il s'est retransformé pour la première fois dans Dragon Ball Super face à Goku. Avant le tournoi des pouvoirs. Et il se transforme en Ultimate. Et t'as Goku qui lui sort tu vas pas te transformer en Saiyan. Non, je veux essayer une autre voie, je sais plus quoi. Alors que bon, il la connaît, la voie de l'Ultimate. Donc là, c'est vraiment quand il est en train de passer Ultimate, je pense. Ouais. Parce qu'après, toi, justement, on le voit ici. Mais je trouve. Depuis quand l'Ultimate a de l'électricité, par contre? C'est ça. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je me suis dit, mais depuis quand l'Ultimate a cette électricité? Alors, est-ce que, parce que il me semble avoir entendu dire qu'il y avait moitié un teasing sur une nouvelle transformation de Gohan, est-ce que ça serait celle-là? Ouais, j'ai vu ça filtrer aussi. Donc, est-ce que ça serait celle-là? Pourquoi pas, hein, ben, un Ultimate Gohan, mais version plus, genre on va dire Super Saiyan 2 de l'Ultimate. Ouais. Putain, t'imagines, ça va déboîter ça, par contre. C'est clair. Bon, déjà, moi, cette transformation-là, avec l'électricité autour, j'achète. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que là, par contre, pour le coup, regarde la coupe de cheveux, ça fait moins comme la figurine qui va sortir, là. Ouais. Ça fait un peu plus fin. Ça redevient Ultimate, en fait. C'est ça qui est bizarre. Ouais, exact. Mais il est beau, là. Ouais, il est très, très beau. Franchement, très sympa. Très, très sympa. Avec l'esprit, enfin l'air un peu sérieux, là je pense qu'il va déboîter du Ganma. Bah là tu vois, là il est pas transformé, déjà tu sens qu'il il est pas là pour rigoler, quoi, déjà sur ce côté là. Et après, hop. Là Ganma aussi il semble être surpris. Ouais, je pense que là il s'en est pris une belle en pleine face et il comprend pas trop. Par contre, le coup du pistolet, je pense pas que c'est ça qui va arrêter un Gohan, quoi. À voir, il y a peut-être un secret, hein, sur ces pistolets, parce que c'est vrai qu'il ne les quitte pas, hein. les deux. Mais c'est vrai qu'il a plus, il fait plus la tête prétentieuse du début, là. Je pense qu'il s'en est pris 2-3 belles dans la tronche. Ouais, je pense qu'il a, putain merde, ils sont plus compliqués que prévu, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, les super-héros qui sont là pour sauver le monde, là... C'est ça. Parce que c'est eux, les super-héros, en fait, je te disais ça en off-tanner, mais...
quand t'entends la version anglaise, enfin la traduction, ils viennent sauver le monde. Mais depuis quand la Red Ribbon vient sauver le monde? Donc je me dis que dans leur tête, peut-être que c'est pour éradiquer les Saiyans, tu vois, ouais. qui sont venus foutre la merde depuis le début dans leur vie. Donc Après, ils viennent sauver le monde. C'est peut-être la Red Ribbon qui leur a dit qu'il faut sauver le monde des Saiyans et ils vont être surpris des Saiyans au final, quoi. Ils vont voir qu'en fait c'était l'inverse. Là-dessus, je pense que t'as plus ou moins raison parce que je pense que ça va faire comme C-17, C-18. Je les vois pas méchants. Ouais. En fait, c'est bizarre. Je me dis que le dernier monstre qui arrivera à la fin, qui va les absorber probablement, lui, ça va être le bad guy, tu vois. Ouais. Mais eux, j'ai l'impression que... J'ai pas l'impression que c'est des vrais méchants. C'est bizarre, mais je pense qu'ils vont tourner gentils au final. Quoi. Bah, je pense aussi. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'ils vont se rendre compte qu'il y a une trahison ou une manipulation du Red Ribbon. Enfin, on commence à... À essayer de... Voilà, exactement. Donc là, on tu voit... Tu fabules, Bartoni. Il y a quand même des trucs pour lesquels la 3D, ça emmerde. Toi, là, je trouve que ça va envoyer, là. Est-ce que c'est pas le cocon qui est en train d'exploser en ouverture en dessous et il y a ça qui sort, en fait? Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que quand tu regardes la base, tu sais le petit poster que je t'ai envoyé, ouais. T'as la base du Red Ribbon. Ouais. Et la fumée, elle se dégage de la crevasse... Et de ce que j'ai pu voir et entendre, le cocon, il serait dans les souterrains, ce truc-là. D'accord. Et en fait, imagine, il est en train d'éclore, ça explose, t'as l'autre qui gueule, merde, c'est en train de sortir, c'est pas prêt, machin. Mm-hmm. Donc ça se trouve, c'est le grand méchant là qui sort, là, en fait. Ah, peut-être. À voir, parce qu'il y a une autre image un peu plus loin où justement on voit le cocon qui va exploser, mais c'est pas de cette couleur-là. Parce que là, toi, c'est couleur feu. Donc je me demande si c'est pas le cratère où ça travaille tellement dur que là peut-être que le volcan rentrera en éruption. Enfin je sais pas si c'est un volcan. Enfin à voir là, il y a plein de trucs là. Là il y a trop peu d'images pour qu'on puisse se faire un bel avis, mais l'explosion est excellente. Là regarde quand il est beau Gohan. Ouais, là il est très très. Il va mettre une patate de forain là. Bam. J'adore. Là, tu sens qu'ils se font là, ils mangent vraiment, je pense, les gamins, au bout d'un moment, ils vont pas comprendre. Surtout que je pense que là, on voit pas Piccolo en action, mais Piccolo version cornichon qui a passé la date, là, je pense que lui aussi, il va faire mal. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les deux personnages que j'ai toujours voulu revoir sur le devant de la scène, là, ils vont les mettre à l'honneur et je pense que les combats vont être sympas. Ouais, je pense aussi. Ouais, franchement, là, j'espère juste que ça se fera pas comme dans le film Broly. Quand bien même j'aime bien le film Broly, je trouve qu'au bout d'un moment, mais tu t'es au bord de la crise d'épilepsie tellement que tu te prends des vitesses de couleurs et tout. J'espère que, tu vois, on verra plus la beauté de la baston que aller trop vite, quoi. Ouais, c'est vrai que non, dans le film Broly, il y a eu moitié moyen d'être épileptique ou non, quoi. Ah ouais, non, mais les 45 minutes de combat avec Broly qui gueule tout le long, je te jure, au bout d'un... J'aime bien le film, mais c'est vrai que ça m'a un peu cassé le délire à la fin, quoi. On va voir quand ça se passe ici. Mais là, j'ai bien aimé le combat. Alors là, tu vois, les soldats, ils sont en bas d'une marche, d'une sorte de pyramide. Ouais, c'est bizarre. C'est comme si il y a quelque chose en l'air, il y a quelqu'un qui les attend en haut, je sais pas. Bah, regarde à droite, ils ont l'air de fuir ou d'être surpris de ce qui se passe. Ouais, c'est vrai qu'à droite ils fuient, donc je pense qu'en fait ça a dû monter en fait, ouais. Je sais pas. Ça a dû monter, ça se trouve c'est pour monter le cocon en dehors de la base pour le faire éclore, j'en sais. Bah non, parce qu'il est en train d'exploser dans les souterrains, donc c'est. Bah ouais. Je sais pas, mais en tout cas le mec à gauche. Il est cristallisé, il peut plus bouger tellement qu'il a peur, quoi. Ouais, ouais. Donc là, on sent que les choses sérieuses commencent à arriver, là. Alors, ensuite... Hop. Des pixels. Voilà, des gros pixels. Bon, là, il est en tenue... Il a son petit pistolet, lui aussi, hein. Ouais. Il a son petit pistolet aussi, là. Alors, les pistolets, je trouve qu'ils ressemblent à certaines choses bizarres, mais... Là, il est excellent, là. T'imagines, ouais. Au moins une archive de ça, moi ça me ferait kiffer, tu vois. Il est excellent, ouais. Alors, c'est pas nouveau, hein, cette tenue-là, ça a déjà fuité dans un goodies au Japon, cette tenue-là, c'est juste que là, maintenant, on le voit en visuel, et c'est assez classe, c'est sympa. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait soit une armure, parce que je pense pas que c'est une combinaison,
On dirait plus une armure, regarde autour des poignets, ça fait vraiment métallique. Ça fait quoi, comme si c'était au-dessus, hein. Ouais. Donc ah, est-ce que c'est un, une espèce d'armure pour donner plus de force? Tu sais que ça. Ouais, il y a peut-être comme ça. Moyen. Il y a moyen. Hein. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa. C'est marrant, c'est que ça n'a rien à voir et je pense qu'il est un peu moins con-con, mais ça me fait penser à Hercule, moi, un peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais côté méchant. Côté méchant, mafieux italien. C'est ça, c'est ça. Alors, ensuite. Alors, Pan, là doit être. Le moment, c'est au bout de la tête, au moment où elle est séquestrée, je pense. Là, elle est dans le château de la Belle et la Bête. Et là, elle voit le bisou et la bête se transformer en prince. Maman. Donc, Gohan. Ça, on l'a vu, ça. Ouais, on l'a vu. Ça me rappelle Boo. Ça rappelle Boo. Ça me rappelle. Et en fait, tu te souviens du live qu'on a fait avec Fraisa? Moi, j'étais parti un peu sur la théorie de Boo et elle disait c'est impossible, il y a Android 21, machin. Mais après, ça sort d'un jeu, tu vois. Rien n'empêche de. Mais le cocon, ça me fait plus penser au cocon de Boo que du cocon de sel, quoi. Hein, tu vois. Et là, l'aspect rose. Et moi, ce qui m'avait mis un peu l'idée en tête aussi, c'est que tu sais, quand ils affichent la Red Ribbon. Les photos de tous leurs ennemis et j'ai l'impression qu'ils sont inspirés de tous leurs ennemis pour créer l'arme ultime. Ouais. et t'as le gros Boo qui apparaît, tu vois. Ouais. Et le gros Boo, ça veut dire que si tu te bases un peu sur les recherches du docteur Gero qui avait été jusqu'à l'arc Freezer pour prendre un peu de l'ADN de tout le monde, si ils savent que Boo existe, je me dis que il y a moyen, tu vois, que ils aient pris de l'ADN de Boo. Ouais. Là, typiquement, moi, ça me rappelle l'attaque de Boo, là, quand il est, tu sais, sur... le palais divin, là. Hop, il lève la main, il tue tout le monde. Hop, c'est bon, on peut passer à la suite. Ouais, exactement. Et puis, il regarde, il fait le tour du palais, il regarde tous les êtres humains, il fait ça, et puis t'as tout le monde qui se fait tuer, sauf Hercule. Ouais. Donc, Non, mais il y a... Tout le monde parle sel, et il y a moyen, je me trompe peut-être, mais j'ai envie de parier sur un truc qui a un rapport avec Boo, en fait, je sais pas. Ben, surtout que ça se passe après Dragon Ball Super, vu que Pan est adulte, elle est grande, et ça se passe autour de l'arc Boo, ça se passe quand exactement? Ça se passe après Dragon Ball Super, juste avant la fin de Dragon Ball Z, ça. C'est ça. Donc, il y a eu l'arc Boo. Pourquoi ils iraient s'inspirer C'est peut-être un sel rose, un sel en forme boubou. Là, ça ferait bizarre. Oui. Non, mais moi, clairement, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, ça me rappelle une attaque de Boo, ça. » Ouais. Et après, rose, en plus, tu vois. Rose. Ouais, rose. Voilà, j'aimerais bien ces 21. Je remets ça. Bah, je pense pas qu'il prendrait ses canons ou pas, C21, elle est pas canon. Si, elle est canon. Elle est dans... Alors, pas la transformation rose, mais tu l'as en ingénieur. Ouais. Elle est en ingénieur. Ouais. Bah, il y a moyen, hein. Ouais. Hop, en plus, ça serait tellement bien parce que ça voudrait dire que ça nous fait faire un bond en avant et que les futures choses qui vont sortir vont avoir rien à voir avec des bouts de Dragon Ball Z et tout, tu vois, faire du neuf avec du vieux, là ils vont vouloir repartir sur un nouveau truc, ça pourrait être bien, quoi. Ouais, c'est clair. Donc hop, on avance, donc là, Piccolo, il est pas encore transformé, il a encore toutes ses rides. Il s'est coupé les ongles, par contre, avant il avait des ongles pointus, et maintenant il a des ongles ronds. Ah, attends, est-ce que je peux voir ça? Exact. Ouais. Depuis quand? Bah, je pense que c'est pour pas griffer Pan quand il fait la nounou. Ah ouais, il pense à tout. Ouais, non, il pense à tout. Il est très avenant. Donc là, bon, bah là, ça là, y est. Il est stylé quand même. Et il est sympa. Allez, hop. On n'est pas des haters, nous, sur les nouvelles choses. Non. Ça me plaît beaucoup.
tu as Goten, Trunks, Gohan, Piccolo. Tu sens qu'ils vont faire front pour combattre les mille. Par contre, pourquoi ils sont pas en Super Saiyan? Bonne question. Mais ça, toi, le fait qu'ils soient tous les quatre là, donc ça. Et en plus, ils ont l'air sérieux. Ouais, ils ont l'air de vouloir se battre sérieusement. Bah, Gohan est déjà en Super Saiyan, donc tu sens que le combat est déjà là. Mais pourquoi effectivement eux ne se sont pas transformés? Bonne remarque. Après, ils viennent d'arriver, j'ai l'impression. Regarde, ils sont tout clean. C'est vrai. Donc là, tu vois qu'ils combattent, ça fait plaisir de les voir combattre. Franchement, mais ça, ça cas, me fait plaisir. Si c'est pas les gamins en face, je pense pas que ça soit les gamins en face. Je pense que là, il y a un ennemi qui est badass quand même. Parce que pour qu'il y ait Piccolo, Gohan, Trunks et Goten à essayer de le friter à 4, ouais. Y a quelque chose de sérieux quand même en face. Je pense aussi, quand tu regardes aussi, tout autour c'est poussière, tout est détruit, donc déjà le combat il commence à monter en level là. Si pas le petit... je pense que la Red Ribbon là, elle est déjà finie éclatée là, à ce moment là. Ouais, je pense que là, effectivement, je pense aussi. Mais là franchement moi j'étais super content de les voir, déjà les voir tous les quatre, les voir combattre, c'est excellent. Ouais. Ils vont peut-être pas être juste là pour l'aspect comique avec les fusions ratées, parce qu'apparemment il y a les deux fusions ratées, si j'ai bien compris. Mais ils vont être là aussi pour essayer de faire avancer le combat. Quoi. Bah, je pense que là, Gohan, pourquoi il est pas en ultimate à ce moment-là? Je pense que c'est parce qu'il s'était déjà mis à moitié en ultimate face au Gamma. Et je pense que contre les gamas c'est arrêté et il doit y avoir genre le nouveau boss la finale qui arrive. Ouais. Et du coup il s'est retransformé, il est claqué, il s'est retransformé en Saiyan. Il y a moyen d'un truc comme ça, tu vois. Mais franchement. Ah regarde, reviens en arrière. Regarde la Red Ribbon, elle est en dessous, la base. Là tu peux apercevoir en bas à gauche là. Là ouais. Et on voit que ça a été éclaté tout ça là. Ouais, c'est peut-être bien que la montagne allait exploser, hein, la montagne où il y a le Red Ribbon. Ça fait vraiment de débris, hein, tout avait pété. Hein. Mais franchement, ça fait vraiment plaisir, toi, c'est axé sur les autres personnages qu'on a peu vus jusque là. Il y a moyen de vraiment l'apprécier le film. Donc, bah, là, surtout si ça peut permettre en plus d'avoir des produits dérivés de Goten et Trunks. Même enfant, et de relancer un peu la hype sur eux, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, Gotenks, la fusion Goten-Trunks, t'en as quasiment pas, il y a le petit Goten qui va sortir là sur les Chibankuji, mais bordel, si ça peut les remettre un peu en avant et d'avoir des personnages d'eux en figurine, ça pourrait être cool, quoi. Ah, c'est clair, ah non, c'est clair. Alors, Piccolo qui va faire son Maken Kozapo là, hop. Et là, franchement, c'est stylé. Ça faisait beau. C'est stylé. Avec le noir derrière, l'ombrage là et tout. Ouais. Ça, je trouve ça super stylé. Et juste avant, regarde, l'éclair blanc juste avant, remet un peu en arrière. Encore. Ah non, juste après. Non, non, après. Ouais, là. T'as vu comment ça rend bien là? Ça rend super bien. Ouais, clairement. Franchement, c'est... bon, la CG, il y a plein qui peuvent critiquer, mais il y a quand même des rendus visuels là qui sont... C'est vraiment bien travaillé là. Tu peux pas cracher sur la technologie quand t'as fait des trucs comme ça. Regarde l'électricité et tout autour. Là, par contre, la Gohan qui passe Ultimate, mais le dessin, il est incroyable. Ouais. Ah, clairement. Et puis toi, là, t'as pas que le blanc. Ta couleur violacée, couleur bleue. Bleu. Tu sens que ça donne un autre accès. Bah tu vois, ça me fait penser un peu à mon logo d'avatar, tu vois. Il y a des trucs qui partent. J'aime bien l'idée de rajouter des couleurs comme ça, tu vois, ça rend bien quoi. Et ça, la CGI, ça te donne accès parce que bah tu peux aller plus loin dans le dessin, plus loin dans la texture. Ça rend super bien. Super bien. Donc là, il y a un vaisseau, une grosse explosion avec un vaisseau. Donc est-ce que c'est Bulma qui est venu voir qu'est-ce qui se passait? Et ça a l'air apocalyptique autour. Regarde le violet dans le fond. Ouais. Et tout. On reste sur la couleur violet rose. Hein. On reste sur cette couleur là. Hein. Ouais. Les couleurs debout. Hein.
Moi, je vois pas celle. Je vois pas celle. Depuis le début, je ne vois pas celle, en non, fait. Non, moi non plus. Et comme on disait, par contre, là, pour le coup, avec Freza, c'est que celle, s'il est amené à revenir, ils vont pas te mettre sur les 20-30 dernières minutes, tu vois. Ils vont développer le personnage, pourquoi il revient et tout. À moins de faire un sel 2.0 sans personnalité, mais les gens ils vont râler dans ce cas, tu vois, parce que faut développer un peu le personnage, tu vois, comme ils ont fait pour Broly. Moi je crois pas du tout à un sel, moi. Ouais. Non, franchement, tout ce qui est thème couleur et tout ça, c'est bou. Ou c'est aussi la couleur de Freezer, le violet. Alors là, non, please. Mais pour moi, ça sera pas lui. Pour moi, on est plus sur un. Non, et puis Freezer. Non. Freezer encore, non, là, non, là non. Par contre, là, ça va me faire louper la hype, quoi, si tu me remets du Freezer. Moi aussi, et puis il a rien à faire là, Freezer, clairement. Non. Pour moi, on est plus sur un style Boo. Alors, ça peut-être un autre personnage, un nouveau truc qu'ils ont fait, un nouvel ennemi, mais dans cet ADN-là, quoi. Bah, surtout si c'est Gohan qui est mis à l'honneur, Freezer, c'est le méchant emblématique de... Le méchant emblématique de Goku, tu vois. Donc, oui. Gohan, si tu mets Gohan en avant, on pense à Cell ou on pense à Boo. On oui. pense pas à, on pense pas à Freezer, quoi. Donc, pour moi, c'est dans l'ADN de Boo, le truc. Ouais. Donc là, Piccolo, il s'est fait mal. Il est tombé. Il a loupé une marche. Je me casse la gueule, Gohan. Alors là... C'est Gandalf qui vous saute. Ne passerez pas. Il saute pour récupérer son épée et planter le Balrog en tombant. Là, ouais. Bam. Et tout va péter. Et qui c'est qui fait ça là, par contre, l'explosion. Il y a un bonhomme. Il y a un bonhomme au milieu là. Ah, est-ce que là, ça c'est serait Gandalf. Pas Est-ce que ça serait pas Piccolo qui tombait juste avant? Ouais, mais pourquoi il s'allume? C'est pas un ver luisant? Bah, je sais pas, mais peut-être qu'il explose son énergie et qu'il veut s'énerver et puis que. Voilà. Non, je mets ma jambe à couper que c'est Gandalf. Je ne vois pas la barbe! Ni le bâton de berger! Par contre, j'ai reconnu les mines de la Moria. Ah oui, effectivement, c'est très sombre, ouais. Je suis d'accord. Non, c'est vrai que c'est. Oh, tu sens que c'est tout est rasé là-dedans. Ouais. Bah, y a plus de nains qui travaillent le métal, c'est fini. Et ils là, ont été descendus par les gobelins. Le cocon qui s'ouvre. Alors là, par contre, c'est là où c'est assez étrange, c'est de l'eau qui en sort. J'ai l'impression que c'est de l'eau. Bah, elle perd les eaux. C'est ça. Le cocon perd les eaux. Donc, autant que Boo, c'est de la fumée qui en sortait de son cocon. Autant que reviens celle, en arrière. Autant que celle, c'était de l'eau. Hein. Reviens en arrière. Non, un peu plus en avant maintenant. Ah. Une image. Une image encore. Allez. Encore. J'ai l'impression d'avoir vu une capsule sur la droite, un peu plus loin. Encore un peu. Là, derrière, c'est quoi le truc violet bleu là? Non, je regarde. Ouais, tu vois, c'est comme les capsules, effectivement, tu sais, quand ils ont mis les Saiyans en régénération ou. C'est ça. Ou un truc sel. Oh là là. Bah, en même temps, c'est le ruban rouge, donc c'est normal qu'ils reprennent le système de création biologique. C'est ça, c'est leur technologie, donc il n'y a rien de surprenant. Y a rien de surprenant là-dessus. Ouais. Mais qu'est-ce qui en sort dedans, putain? En fait, il nous avait tellement spoilé avec Broly que on savait que c'était Broly. Là, y a quand même des questions qui se posent, quoi. Ouais. Mais puis on sait toujours pas. Hein. Y a toujours pas le gros ennemi qui en sort. Mais donc. ce qui est bizarre, c'est que si c'est rempli d'eau ce truc-là, ça fait plus incubateur régénérateur comme les Saiyans, tu vois. Ouais. Plutôt que parce que dans ah c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Putain, ils vont nous sortir Bio Broly. Oh non, s'il te plaît, non. Putain, alors là... Non. Bah, mais, voir. Me dis pas... Ouais, après, s'ils ont pris de l'ADN de Broly,
Bah oui, maintenant qu'il est canon dans Dragon Ball Super. Mais ça, ça me plaît bien qu'il soit canon. Il y a des gens qui râlent pour ça. Ouais. Non, j'ai toujours voulu Broly canon, donc. Ouais, non, ça me va. Ou alors ils ont fait Janemba. Non, je pense pas. Non. Hildegarde. Ouh. Les jambes. Les jambes seulement. Bon, vous voulez qui d'autre en méchant? Dites-le nous. Bojack. Ils ont fait Bojack. non, ben voilà. Il n'y a pas vraiment plus d'indices. Il y a de belles images, par contre, ça c'est cool. Ça monte un petit peu plus d'intensité dans le film, parce qu'au début, de ce qu'ils avaient montré, on était plus sur un film pour les enfants, et là, bon, il va y avoir du combat, donc ça va intéresser les darons, clairement. Ouais. Bah surtout européens, parce que j'ai cru comprendre quand même que les japonais, en fait, c'est pas absolument leur kiff, la grosse baston. Ils aiment bien ce qu'il y a autour, en fait. Ouais. Alors comment tu peux aimer Dragon Ball Z, là où il se passe 85% de combats? Il y a quasiment pas d'histoire quand tu réfléchis à Dragon Ball Z. Bah c'est vrai, c'est vrai. C'est de la course contre la montre, contre des méchants qu'on éclate. Bah c'est au début quand même, Freezer, ouais. Il y a quand même pas mal d'histoire. Mais pour avoir revu, tu vois, j'aime bien Dragon Ball pour l'aventure, et pour avoir revu Dragon Ball Z il y a 2 ans de ça, en entier, je me disais en tant qu'adulte, tu vois, putain, pourquoi j'aime bien quand il y a un peu d'interaction entre les persos et tout, et t'en as pas beaucoup, hein. Y a, tu vois, par exemple, c'est con, mais les fillers où ils passent le permis et tout, c'est des trucs rigolos, tu vois, ils auraient dû mettre un peu plus de ça, quoi. Ouais. Ah, j'avais bien aimé aussi. J'ai bien aimé. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Dans ce petit cocon, il y a eu différents indices. Maintenant, effectivement, les codes couleurs, il y a pas mal de trucs qui changent. Là, il y a de l'eau, c'est vrai qu'il brouille bien les indices. Franchement, c'est, j'y crois de moins en moins, plus on voit de trucs, quoi. Non. J'y crois de moins en moins. Moi non plus. Après, on peut se tromper, hein. On peut se tromper. On n'est pas les pros de ça. Personne ne l'est, en fait. Non. Tout à fait. Alors, du coup, on a quand même des petites cartes qui sont affichées en plus. Ouais, elles sont. J'ai craqué sur d'autres cartes en rapport avec le film, mais pas celle-là. Je l'ai. Voilà, il y a. La Gohan est cool. La Gohan est cool, ouais. Par contre, c'est bizarre, hein, mais Goku. J'ai beaucoup de mal à me faire ce Goku-là. C'est. Je sais pas. Ça me parle moins. Autant Gohan, ouais. Je le trouve phénoménal, autant Goku me parle moins que dans le film Broly, par exemple. Goku, je le trouvais excellent dans le film. Ah, il était excellent. Ouais. Même Vegeta, j'avais bien aimé. Quand il se transforme en Super Saiyan God, là, il était très sympa, le Vegeta. Oh, ouais. Il faisait très, très royal avec là, c'était c'est le plus beau Super Saiyan God. Goku, ça lui va pas, mais à Vegeta, ça lui allait très, très bien. Ouais. Et puis même les effets quand il se transforme en SSJ Vegeta, ou que c'est un peu vert comme Broly avant de passer en jaune, c'est trop beau. Ouais, ça j'avais bien aimé ça. Du coup les petites cartes, je sais plus trop si c'est, enfin on lit pas le japonais, t'aimes bien, mais si c'est pour la sortie du film t'as ça, ou si c'est dans les cartes. Je sais qu'ils en distribuent pour la promotion du film, je pense que c'est ça. Après, je crois qu'au cinéma, tu pourras repartir avec une carte. Ouais, ça serait pas déconnant, hein, par rapport au film et tout ça. Oui. Ok. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire, toi, par rapport à ça? Non. Non. Non, non, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On essaiera de refaire un live. C'est juste que là, au niveau planning, c'est un peu compliqué d'être, de faire des lives quand aux horaires vous êtes présents. Non, et surtout que là, je dois tourner des vidéos et je ne vais pas être là pendant une semaine, donc on n'aurait pas eu le temps. Non. On n'aurait pas eu le temps de faire un live. Mais il faudrait qu'on s'en refasse un dès qu'on a le thème qu'il faut, quoi. Bah c'est ça, et puis en plus je pense que des live figurines, avec tout ce qui repousse là jusqu'à assez loin, je pense que les prochaines annonces maintenant ça sera pour novembre-décembre. Hein. Ouais, novembre-décembre, hein. Il y a plus grand chose d'ici là. Hein. Donc pareil, on renouvelle l'appel, hein. Si jamais vous avez des sujets de live, n'hésitez pas à nous les envoyer.
Nous après on regarde, après il faut qu'on mette du contenu aussi dedans, hein. Faut pas que ça soit soporifique non plus les lives. Non c'est ça, bon après ça l'est jamais mais... Voilà parce que c'est travaillé, ces jeux, il y a quand même pas mal de travail derrière quoi. Quand bien même ça ne paraît pas. On ne dirait pas comme ça mais... Non il y a quelques heures de taf. Donc merci Pirate d'avoir répondu à l'invitation express, hein, mine de rien. Ben, en fait c'était la seule heure disponible, je dois partir. C'est ça, moi j'ai fini ma glace et on a enchaîné la vidéo. Voilà, je n'ai pas pris ma douche par contre et je dois partir donc c'est sympa de ta part. Bah de rien, mais merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à celle du Pirate également au passage. Il a sorti pas mal de vidéos, c'est cool. Voilà, c'est cool, ça revient depuis que j'ai un PC correct et, et j'ai passé les 500 abonnés, là, je suis à 510 je crois aujourd'hui, donc c'est cool, je suis content. C'est cool. Je suis content. Je suis très content pour toi aussi, c'est vraiment très cool. Et à vous abonner, commentaire, le pouce bleu, tout ce qu'il faut, allez-y, n'hésitez pas, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez bye bye. Ciao. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.